Voilà pour le discours, et c'est Antoine Griezmann qui maintenant va prendre le micro. Il va lâcher sa petite fille Mia qu'il a pris dans ses bras. Merci beaucoup d'être venu. Voilà, c'est une fierté d'être mâconnais, d'être français. Et voilà, je réalise aujourd'hui comme quoi c'est vraiment une joie et une fierté de porter ce maillot qui nous représente tous, qui est la France. Donc voilà, énormément, voilà, merci beaucoup. Et je crois que j'ai oublié un petit truc. Donc si vous me donnez 30 secondes, je reviens. Et voilà Antoine Griezmann qui a laissé sa petite fille Mia à sa compagne Erika pour chercher vraisemblablement la Coupe du Monde. Voilà, il va récupérer sa petite fille aussi dans les bras. C'est sans doute les deux plus beaux trésors d'Antoine Griezmann, sa fille et cette Coupe du Monde. Alors évidemment, c'est une réplique, hein. Ce n'est pas l'officiel que vous avez vu dimanche dernier sur la pelouse de Moscou sous l'orage. Là, c'est une réplique. L'officiel est déjà reparti dans les coffres-forts, car c'est un bien très, très précieux. Et elle passe dans les mains du maire de la ville, Jean-Patrick Courtois, qui à son tour l'a brandi au public. Et les mâconnais là, allez tous ensemble, allez avec la musique. Allez, on y va. Allez, faites du bruit.